Midi Info avec Alec Castonguay. Bonjour tout le monde. J'ai le plaisir de vous annoncer que la campagne électorale va déclencher officiellement le 28 août prochain. Je vais mettre François Legault au défi sur l'économie. L'économie va être la question de l'urne. On a besoin d'avoir le plus de députés écologistes possible à l'Assemblée nationale et chaque député qu'on ajoute, c'est de la pression qu'on met pour que le Québec enfin prenne le virage nécessaire dans la lutte au changement climatique. Tant qu'à moi, il y a un besoin pour un troisième lien. Pour moi, c'est comme une évidence. Reste à décider est-ce que c'est un pont ou un tunnel. Nous, on souhaite un tunnel. Si le système public n'est pas capable de vous offrir un service dans des délais raisonnables, à ce moment-là, vous avez le droit d'aller dans le système privé. Si on décidait nous-mêmes de nos budgets et qu'on prenait nos propres décisions comme Québécoises et Québécois, on ne serait pas pris à quémander, comme toutes les provinces canadiennes, des sommes aussi majeures que 6 milliards de dollars. La seule solution à ça, c'est l'indépendance du Québec. Rebonjour, bienvenue à notre émission spéciale sur les élections québécoises 2022, diffusée en direct du plateau W, sur la mezzanine de la nouvelle maison de Radio-Canada. Nous passerons la prochaine heure à répondre à vos questions avec nos invités. Évidemment, je me suis préparé quelques questions de mon cru quand même, à moi aussi. Mais avec nos invités, Marie-Hélène Tremblay, qui est analyste politique à Radio-Canada. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Alex. Chantal Hébert, chroniqueur politique au magazine L'Actualité et au Toronto Star. Bonjour Chantal. Bonjour Alex. Michel COG, chroniqueur politique à La Presse et à Radio-Canada. Bonjour Michel. Bonjour. Et Philippe J. Fournier, créateur des sites Québec 125, 338 Canada, spécialiste des sondages et des projections de sièges. Bonjour Philippe. Bonjour Alec. Alors, on a eu beaucoup de questions de nos auditeurs. Il y en a qu'on a nous-mêmes choisi, mais on veut faire d'abord, enfin, on va y aller en trois temps. On va faire un peu un bilan de la campagne, ensuite parler du contenu, des promesses, des engagements. Et on va terminer avec les choses à surveiller, l'impact que ça peut avoir lundi sur les différents partis. Marie-Hélène, on a passé toute la campagne électorale, vous et moi ensemble. Chaque journée, vous avez scruté les points de presse, les itinéraires des différents chefs, les promesses en détail. Qu'est-ce que vous avez retenu sur le déroulement, sur la dynamique de la campagne? Bien, disons que cinq chefs, cinq partis, ça représentait un certain défi. Ouais. J'ai calculé environ une centaine de points de presse, une centaine de mails de presse. Alors, faites le compte, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu de toutes sortes aussi. Du côté de la coalition Avenir Québec, qui avait pourtant choisi un slogan « Continuons », bien, parfois, on pouvait se demander si François Legault avait réellement envie de continuer, d'avoir un deuxième mandat, parce que, justement, ça n'a pas été toujours facile pour lui, des débats difficiles. Du côté du Parti libéral, on l'a souvent dit, une campagne difficile pour Dominique Anglade, du début à la fin, véritablement. Québec solidaire, pourtant une bonne lancée, un déclenchement qui a quand même été frappant, marquant pour la troupe de Québec solidaire, mais ça s'est vite essoufflé. Un bon premier débat, mais ensuite, on dirait qu'on a perdu un peu le momentum du côté de Québec solidaire. Dans le cas du Parti québécois, bien Paul Saint-Pierre Plamondon s'est fait connaître. C'est essentiellement ce à quoi a servi le début de sa campagne. A eu de bons débats, s'en est tenu à son plan de match. Il l'aura respecté du début à la fin. Enfin, le Parti conservateur, j'ai envie de dire, c'est un peu la campagne de l'autoroute 20 entre Québec et Montréal, essentiellement la région de Québec. Une campagne, justement, où il a beaucoup surfé, Éric Duhaime, sur le mécontentement des électeurs. Est-ce que ça lui aura permis, justement, de faire le plein? On a senti à un certain moment un essoufflement et que là, on avait atteint, justement, le maximum qu'il pouvait aller chercher. Une campagne, l'autoroute 20, ça me fait penser à François Legault, 2012, il avait fait aussi pas mal une campagne comme ça de la grande région de Québec, aller chercher les appuis pour son nouveau parti. Je rappelle qu'on est diffusé en direct sur Facebook, sur les pages de Radio-Canada Information, également sur Ici Première. Si vous avez des questions à poser à nos panélistes, n'hésitez pas, écrivez-nous dans les commentaires. On a des lecteurs assidus, des recherchistes qui regardent ça, qui vont pouvoir les transmettre, évidemment, si ça s'insère bien dans la conversation, n'hésitez pas. Michel, vous avez couvert pas mal de campagnes électorales. En quoi celle-ci est peut-être différente des autres?
Je pense pas que je me souvienne d'une campagne électorale où les mouvements ont jamais dépassé la marge d'erreur des sondages. On va se retrouver avec, probablement lundi soir, un pourcentage de vote assez similaire au premier sondage de la campagne. C'est dû au fait qu'il y a 4 partis d'opposition. C'est dû au fait aussi qu'il n'y a pas eu d'événements majeurs qui souvent viennent bouleverser une campagne. Il n'y en a pas eu cette fois-ci. Cette campagne-là, qui est partie sur le thème de protéger les gens sur l'inflation, a bifurqué très rapidement sur autre chose. Mm-hmm. Et à la fin, on a eu plus des campagnes de personnalité que des campagnes d'idées. Donc, on va se retrouver avec la difficulté qu'on avait prévue au départ, c'est-à-dire 5 partis, 4 partis d'opposition qui se à peu près au coude à coude, puis un parti qui, à cause du mode de scrutin, risque de se retrouver avec beaucoup plus de sièges qu'il n'a de voix. Chantal, comment vous qualifieriez cette campagne électorale? Il y a deux sortes de campagnes. Il y a des campagnes électorales qui sont des campagnes de changement, d'autres qui sont des campagnes de continuité. Et on va revenir au langage corporel de M. Legault, c'est sûr. Mais on est plus... Et pour la première fois depuis 2008, on serait plus dans une campagne de continuité. C'est-à-dire qu'après 2008, c'est Jean Charest qui remporte sa majorité. Puis après ça, on essaye 3 partis, un après l'autre. Un seul mandat pour Pauline Marois, un seul mandat pour Philippe Couillard, puis François Legault arrive. Alors, on reviendrait à ce qui était une habitude, l'habitude du deuxième mandat. Ça donne toujours des campagnes un petit peu moins mouvementées. Ce que celle-ci avait de différent, 2 autres grosses différences, j'ai jamais vu de campagne où 5 partis étaient couverts de façon aussi paritaire. Et j'inclus le fédéral là-dedans. C'est pas vrai qu'on couvre le Parti vert comme on a couvert le Parti conservateur au Québec, ou qu'on couvre le Bloc à l'extérieur du Québec comme on a couvert le Parti québécois. Et ça change la dynamique. C'est probablement un avantage pour François Legault, parce que 4 oppositions qui sont couverts également, ça rend plus difficile de coaliser l'opposition. C'est probablement bon aussi pour les 4, parce que à cause de la pandémie, François Legault avait occupé tellement l'espace que ces chefs-là n'avaient pas vraiment eu la chance de se faire connaître. Puis la dernière différence est frappante cette semaine. Je sais pas vous, Michel, j'ai jamais couvert un gagnant qui avait autant l'air d'un mauvais gagnant, qui était de si mauvaise humeur, alors qu'il, clairement, va remporter son pari. Non, je l'ai reçu en entrevue mercredi, il m'a dit « Non, j'ai beaucoup de plaisir, tout va bien. » J'ai failli lui dire « Ben, peut-être que votre visage devrait en témoigner, puisque c'est pas, ça semble pas toujours le cas, effectivement. » Ça, c'est ce que je dis à ma dentiste, que j'aime beaucoup d'autre part. Votre dentiste. Philippe Gifournier, vous êtes spécialiste, vous avez regardé toutes les sondages, les tensions de vote. Est-ce qu'effectivement, on assiste à une stabilité, comme Michel le disait? Une stabilité comme on a rarement vu depuis longtemps au Québec. Comme Chantal a dit, 3 élections consécutives, 3 gagnants consécutifs. J'ai fait mes recherches. Au Canada, c'est vraiment pas arrivé souvent, ça. J'ai vu le libéral Peterson, ensuite Bob Rae et Mike Harris en Ontario. Je n'ai pas trouvé d'autres au Canada de 3 élections consécutives et 3 gagnants. Et là, on regarde les chiffres. La CAQ, en moyenne, dans mon modèle, est à 39% des intentions de vote. Donc, c'est à peu près le même niveau que 2018, mais l'opposition complètement divisée. Et comme Michel l'a mentionné, si on regarde les premiers sondages de la campagne, bon, le PQ a peut-être monté d'une poignée de points, le Parti libéral a peut-être descendu de 18 à 16, mais on reste dans les mêmes eaux. Et donc, on a une stabilité qui, on va voir si ça perdure jusque dans l'urne lundi. On attend les derniers sondages en fin de semaine, mais pour l'instant, ça n'a vraiment pas bougé. Chantal, est-ce que ça veut dire qu'on a fait une campagne électorale pour rien? Non, les campagnes électorales servent toujours à quelque chose. Dans ce cas-ci, je pense qu'il y a beaucoup d'électeurs, mais même de caquistes et de membres du caucus de la Coalition Avenir Québec qui ont regardé M. Legault, un peu méconnaissable par rapport au personnage rassembleur de la pandémie, oui. Et qui se sont dit « il va falloir qu'on commence à penser à notre avenir sans ce chef-là dans les 4 prochaines années ». Et ça va changer la dynamique à l'intérieur du gouvernement. La montée, entre guillemets, du Parti conservateur, dépendant des résultats, pourrait aussi changer la conversation à l'intérieur de la Coalition Avenir Québec. C'est-à-dire, si on commence à percevoir qu'il y a vraiment quelque chose de menaçant à droite, ça va influencer les débats. Et j'ai l'impression, moi, que Québec solidaire, c'est un échec pour Québec solidaire où on est en fin de course, dans la mesure où le pari de Québec solidaire, c'était se détacher du peloton d'opposition pour devenir l'opposition officielle.
À partir des débats, je dirais à partir des projets fiscaux qui sont devenus la taxe orange. Parce que les débats comme tels, il a été plutôt bon, mais c'est vrai que toute la question de la fiscalité a collé. Ça a été comme un frein. C'est comme ça n'a pas stoppé complètement, mais ça a enlevé l'élan. Et on finit la campagne, ils sont 1-4. Alors, c'est matière à réflexion. On peut argumenter tant qu'on voudra sur le projet de Québec solidaire, mais ça n'a pas passé la rampe. Michel, est-ce qu'il y a des moments particuliers de cette campagne qui vous ont marqué? Moi, je pense que c'était la campagne où des gens ont connu, à un moment donné, quelque chose qui a fait qu'il y a eu un arrêt de croissance. Des gens qui étaient sur une lancée. Chantal a parlé de la taxe orange. Mm-hmm. Oui, pour Québec solidaire, ça a été un véritable problème. Et surtout que ça avait l'air d'une taxe idéologique. L'impôt sur la fortune, ça fait socialiste français, ça. C'est pas dans nos habitudes à nous. Et ils l'ont défendu jusqu'à la dernière seconde sans admettre qu'il y avait peut-être... On peut peut-être considérer que quelqu'un qui a acheté un triplex il y a 30 ans à Rosemont est millionnaire, mais c'est pas ça lui donne pas un train de vie de millionnaire. Monsieur Duhem était sur une belle lancée quand l'affaire de ses impôts impayés est arrivée. Ça a cassé son élan complètement. Les deux autres ont eu, je parle des partis d'opposition, là, Madame Anglade, ça n'a jamais décollé. Et c'est ça qui est le problème, c'est qu'elle est comme restée sur les blocs de départ. Le PQ, c'est un peu l'inverse, c'est que plus on a découvert Paul Saint-Pierre Plamondon, donc plus il devenait sympathique, mais on n'a pas beaucoup parlé de ses propositions non plus. Mais Monsieur Legault, j'ai un ami qui a été dans plusieurs cabinets qui m'a dit « il vieillit vite puis il vieillit mal ». Et le problème qu'il va avoir, Chantal y a fait allusion, c'est que le lendemain de l'élection, c'est le début de « quand est-ce qu'il part ». Et dans un parti qu'il a lui-même créé, c'est un peu la situation de René Lévesque au Parti québécois à la fin. Là. C'est plus difficile de mettre le boss dehors quand tu as créé le parti, mais en même temps, il y a pas mal de monde qui vont commencer à dire, à moins que tout revienne au beau fixe après l'élection, ce qui n'est pas certain, qui vont dire, peut-être c'est le temps que ça en aille. L'immigration a quand même beaucoup, Michel, retenu l'attention. Du côté de la coalition Avenir Québec, on finit les deux dernières semaines un peu empêtrés dans différentes déclarations. Là. Ça n'a pas été simple sur cette question-là. Ça n'a pas été simple et ça ressemblait, bien franchement, un peu à des campagnes de peur. Là. Quand on dit, si on a plus que 50 000 immigrants par année, c'est suicidaire pour la nation québécoise. On peut plus avoir de discussion, là. Qu'est-ce que vous voulez? Le président de la Chambre de commerce dit, moi, j'ai un autre chiffre, puis j'ai une autre façon de voir ça. On est en pénurie de main-d'œuvre. Peut-être qu'on peut discuter de ça. Tu te fais dire, non, c'est suicidaire, cette affaire-là. Alors, on peut plus avoir de discussion. Je pense que là-dessus, ils ont poussé le bouchon un petit peu trop fort. On a une question d'un de nos auditeurs, Robert Sancartier. Michel, justement, sur l'immigration, et je vous la lis. Est-ce qu'il vous est venu à l'idée que la controverse sur l'immigration, quand on parle de ça, provoquée par François Legault, visait peut-être à faire sortir son vote? Il y a toujours, dans des dossiers comme ceux-là, la possibilité, et je ne dis pas que c'est volontairement ce qu'ils ont fait, mais la possibilité est là de dire, voici ce que les gens pensent tout bas, mais ne disent pas tout haut. On va au moins envoyer l'appel du pied que c'est ça qu'on pense nous autres aussi. On ne peut pas enlever cette possibilité-là. En même temps, on ne peut pas sonder les reins et les cœurs pour savoir quel est le sentiment profond. Cela dit, la coalition Avenir Québec partait avec une longueur d'avance et dans ses objectifs qualitatifs, pas quantitatifs, parce qu'ils n'avaient pas besoin de s'en soucier tellement, ils avaient occupé plus de terrain sur l'île de Montréal. Oui, c'est vrai. Et c'est important. C'est pas sain d'avoir un gouvernement, et je pense que M. Legault serait d'accord avec ce concept-là, d'avoir un gouvernement qui est le reste du Québec et pas Montréal. Mm. Mais l'épisode sur l'immigration, ça va aussi faire sortir du vote qui risque de faire que ces gains-là, espérés par la coalition Avenir Québec, vont pas se matérialiser. Parce que on les entend, là, avec raison, beaucoup d'électeurs qui disent « Moi, je parle français, je suis venu ici il y a 30 ans, mes enfants sont allés à l'école en français. » Et là, le ministre de l'immigration dit « non seulement que je parle pas français, mais que je travaille pas. » Il faut le faire, là. On a eu une question, d'ailleurs, d'un auditeur, Robert Leblanc, de Longueuil. Je la pose à Marie-Hélène.
Sa question était, on n'a pas soulevé l'hypothèse du suicide politique comme certains l'ont fait dans le passé en volant des gants ou un veston. Je pense qu'on fait référence à Claude Charron en janvier 1982 là, chez Eaton, ceux qui se rappellent de cet événement-là. Monsieur Leblanc nous dit une décision consciente ou inconsciente, il parle de Jean Boulet, pour sortir du système. Il me semble que c'est trop gros, trop grave comme déclaration pour ne pas invoquer une hypothèse de la sorte. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, Monsieur Leblanc a raison quand il dit que c'est une déclaration justement qui est grave. Surtout qu'elle n'est pas, comme le disait Chantal, le reflet de la réalité. Mm-hmm. Reste que M. Boulet a accordé quelques entrevues hier, s'est confondu en excuses, n'empêche, la question justement du suicide politique n'a pas été nécessairement abordée dans ces entrevues-là. Pas sous cet angle-là. Non, Jean Boulet a plutôt la réputation d'être un gentilhomme, comme on dit. Fait très peu d'erreurs là, durant son mandat. Bon, évidemment, François Legault a été clair là-dessus. Ça le disqualifie comme ministre de l'Environnement. De l'immigration. N'empêche, à voir justement si effectivement François Legault fait davantage le plein de députés lundi soir. Est-ce que ça lui garantit pour autant une place sur le Conseil des ministres? À voir, mais n'empêche qu'effectivement, Jean Boulet c'est assurément tiré dans le pied avec cette déclaration-là. D'ailleurs, on a une question de Joanne Meyran qui demande quel est le poids réel des gaffes de certains candidats bénévoles? On voit là, des déclarations controversées dans le passé. Il y en a eu chez des candidats conservateurs, il y en a eu chez des candidats péquistes, même encore aujourd'hui, là, qui ressortent. Est-ce que ça pèse, Chantal, dans les campagnes électorales, ça, ce type de gaffes-là? Ça dépend combien il y en a et de quel parti il est question. C'est-à-dire que, par exemple, et je dis pas que Québec solidaire a accumulé ce genre de candidats, mais un parti moins établi qui a une enfilade de ce genre de candidats-là, ce serait plus le cas, par exemple, du Parti conservateur du Québec, ça va faire que les électeurs vont se dire ils sont pas prêts. Quand on couvrait à l'époque le Parti réformiste, qui tentait de s'imposer à l'extérieur des prairies, et qu'on sortait systématiquement une enfilade de candidats qui disaient à peu près n'importe quoi, c'est sûr qu'en Ontario, les électeurs regardaient ça et disaient non. la phrase anglaise, not ready for prime time, là, on n'est pas prêt pour... Mais autrement, un incident de parcours, ici et là, non, là, je pense que la plupart des électeurs se disent, ça arrive qu'on se plante. Pas la même chose quand c'est le ministre de l'Immigration, évidemment. Qui devrait normalement connaître ses dossiers ou le premier ministre, effectivement. Philippe, question de Laureline Chautard, qui parle, vous disiez tout à l'heure, les sondages n'ont pas bougé beaucoup, effectivement. Elle dit, personne n'avait venu l'élection à Sherbrooke ou à Rouyn-Noranda de Québec solidaire en 2018. Est-ce que même si ça ne bouge pas sur le plan national, ça ne veut pas dire qu'en le fond qu'on est capable de bel et bien savoir où va y avoir des surprises? Est-ce qu'on peut encore se fier au sondage? C'est sûr que je vais avoir un bémol là-dessus. On avait vu la montée de Québec solidaire. On n'avait pas vu la victoire, mais on avait vu que c'était tout à fait plausible. Et c'est un peu la même chose présentement. Québec solidaire est compétitif dans peut-être 14 ou 15 circonscriptions. Il ne va pas toutes les gagner, mais une bonne soirée, une bonne sortie de vote très régionalisée, peut-être que ça pourrait être 14-15 sièges. Mais la régionalisation du vote, en effet, écoutez, si on regarde les projections actuelles, et là, bien sûr, il y a encore une marge d'erreur là-dedans, on s'entend, mais la CAQ pourrait gagner 2 sièges sur 27 à Montréal et en gagner 90 sur 98 hors de Montréal. Et là, c'est vraiment un débalancement important. 2 sièges sur 27, c'est le même résultat pour la CAQ à Montréal, mais 90 sur 98, c'est bien plus élevé qu'à 2018. Et on a eu des sondages locaux, Alec, en Mauricie, au Saguenay, en Estrie. Il y a eu beaucoup de sondages locaux. Est-ce qu'on remarque vraiment le PQ et le PLQ sont complètement dégringolés en région? Et la CAQ a augmenté. Pourtant, au niveau national, la CAQ est à peu près au même niveau. Mm. Donc, qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ça veut dire que la CAQ a perdu dans les centres urbains, particulièrement à Québec et à Montréal. Et cette régionalisation-là n'est pas nécessairement saine. On a une question de Sam Jarouche, qui a 20 ans. Michel, je vais vous l'adresser à vous. C'est sur le PQ et Québec solidaire. Il note que, Québec solidaire, qui est un parti souverainiste, parvient à rejoindre les jeunes parce qu'il parle davantage d'avenir. Il se demande si le PQ a de la difficulté à joindre la tranche d'âge des 18-34 ans, parce qu'on le constate dans les sondages, parce que le PQ n'est pas en train de parler de ce qui se passait en 1980 ou en 1990. La manière dont il le formule, je vais le citer, là. La stratégie péquiste semble de répéter les arguments des années 90 pour réveiller la nostalgie des personnes qui s'en rappellent, alors que QS ne fait que parler d'avenir. C'est une jolie histoire que celle du PQ, mais le film ne colle plus vraiment à la réalité. Qu'est-ce que vous en pensez?
une partie des problèmes du Parti québécois est effectivement l'espèce de passéisme que Paul-Saint-Pierre Plamondon essaie de ne pas incarner, mais une fois de temps en temps, il est obligé de revenir à l'argumentaire traditionnel du PQ. On ne peut pas être le PQ sans dire un certain nombre de choses. Le problème de Québec solidaire est un peu l'inverse. C'est que, oui, ils sont souverainistes, mais ce n'est pas la clé de leur programme. Alors, à un moment donné, Québec solidaire est là pourquoi? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils sont un peu verts, ils sont un peu souverainistes, ils sont un peu gauchistes. C'est quoi l'identité réelle? Il n'y a pas une question, la question de l'urne que Québec solidaire pourrait poser, pourrait porter. Alors, c'est pas l'environnement, à votre avis, parce qu'on a quand même beaucoup misé là-dessus. C'est eux qui sont les plus verts de tous, mais le PQ a un très bon programme en environnement aussi. On le voit au débat, les deux se félicitaient mutuellement. Là. Alors, c'est ça le problème un peu de QS. Puis de notre côté, le problème du PQ, c'est oui, on est dans un, malgré tout, malgré un jeune chef, dans un côté assez passéiste. On va faire plus de lois 101, on va faire... c'est les solutions d'hier, on va les reprendre, ils sont encore bonnes. Il y a une raison pour ça. Après le référendum de 1995, et contre toute attente au sein du Parti québécois, ce qu'on a vu, c'est que la clientèle souverainiste, celle qui voulait un référendum et qui voulait voter oui, vieillissait. Et que les générations, les nouvelles tranches d'électeurs ne suivaient pas. À un moment donné, Bernard Landry disait les personnes âgées sont fédéralistes et elles s'en vont toutes. On va prendre la souveraineté parce que les jeunes sont automatiquement souverainistes, je me souviens. Et ce qui est arrivé, c'est plutôt qu'il est resté la génération des baby-boomers, mais que dans les autres tranches d'âge, d'un sondage et d'une année à l'autre, on a vu l'appui à la souveraineté baisser. Donc, si le PQ est en train de se battre pour sa survie, ça a du bon sens de parler du passé, parce qu'il s'adresse à des gens qui étaient là et qui sont sa meilleure clientèle, puis en plus qui ont l'avantage d'aller voter plus assidûment que les tranches les plus jeunes. Les dernières publicités du PQ, c'est revenez à la maison, littéralement. Alors, ça s'adresse pas aux baby, ça s'adresse aux baby boomers, ça s'adresse pas aux plus jeunes, ça. Parlons un peu de contenu des plateformes électorales. On a eu plusieurs questions. Marie-Hélène, bon, il y a eu énormément de propositions. Vous parliez tout à l'heure de 5 partis, ça fait énormément de choses à discuter. Est-ce qu'il y a des points précis, des choses qu'on devrait retenir de certaines propositions des partis politiques? En fait, la première semaine, l'ensemble des partis, là, ça se disputait les baisses d'impôts, les chèques, disons, pour justement contrer la flambée de l'inflation. On avait même, nous, là, de la difficulté à s'y retrouver. Même la même journée, François Legault et Dominique Anglade ont fait, pour ainsi dire, la même proposition. En voulant donner 2000 $ aux personnes âgées de plus de 70 ans. Alors, si nous, on avait du mal à s'y retrouver, je présume que c'était la même chose aussi pour les électeurs, surtout en début de campagne, parce que les gens sont moins attentifs. Et on le dit, une campagne à l'automne, après la fête du travail, les gens commencent justement à s'intéresser davantage à la campagne électorale. Il y a quand même des choses aussi dont on a très, très peu parlé. On a parlé évidemment d'immigration, on a parlé abondamment du troisième lien. Oui, beaucoup. Là aussi, rappelez-vous cette déclaration de François Legault en disant que les gens de Montréal regardaient les gens de Québec de haut. Alors ça aussi, ça avait fait quand même pas mal de bruit, mais on a très, très peu parlé d'éducation, alors que François Legault se targue à dire que s'il est en politique, c'est justement pour la cause de l'éducation. Et on l'a vu, on a été en pleine rentrée scolaire, manque encore des enseignants, du personnel spécialisé, le transport scolaire est déficient, et on a très peu parlé, en bout de piste, d'éducation durant la campagne. Est-ce que, Michel, Chantal, il y a des engagements qui vous ont marqué davantage, Michel? Il n'y a pas vraiment d'engagement qui, on peut dire, ont réussi à faire changer la campagne. Il y a des bonnes idées. Il y a des choses qui sont intéressantes. Je parlais des programmes environnementaux et du PQ et de Québec solidaire. Il y a des choses là-dedans qui sont intéressantes et qui devraient être regardées. Mais j'ai pas vu un engagement qui a réussi à enflammer la campagne. À l'inverse, le principal problème de Mme Anglade, ça a été précisément d'avoir des engagements qui touchaient pas les gens. C'est beau, l'histoire de l'hydrogène vert, mais c'est un carburant qu'on va peut-être vendre aux Allemands dans 20-30 ans. On n'est pas rendu là, et les gens ne se sont pas reconnus là-dedans, et ça a eu l'air d'un programme qui venait d'en haut puis qui arrivait nulle part.
une promesse qui reste, il faut qu'elle soit différente de l'offre d'à peu près tout ce qui se présente autour. Donc, le PQ et QS sont neutralisés mutuellement sur la question climatique. Et la base des millions de la première semaine, le premier résultat, ça a été de neutraliser l'enjeu de l'inflation et de comment on y répond. Et la deuxième condition de cette promesse qui reste, c'est aussi qu'elle ne devienne pas la taxe orange dans cette campagne-ci, c'est-à-dire quelque chose qui fait reculer la formation ou qui lui fait faire du surplace. La dernière fois qu'on en a vu une promesse comme ça, osée, mais qui a quand même marché, c'est Justin Trudeau qui promet de faire des déficits. Oui. Et la plupart d'entre nous qui étaient là pour la lutte au déficit, non seulement on n'a pas vu venir, mais au début on s'est dit quel scénario dangereux. Ben oui, le Parti libéral va payer une facture. Je pense quand même que sur un dossier, le troisième lien, dont on a beaucoup parlé, même si on est à Montréal, on va en reparler, il y a une occasion manquée pour la coalition Avenir Québec. C'est-à-dire que la majorité des gens, qu'ils soient à Montréal ou ailleurs, s'étaient pas fait une tête sur le troisième lien. Et c'était une belle occasion pour la CAQ, tant qu'à en parler, d'expliquer son projet et sa démarche de façon à ce que des gens qui sont pas engagés d'un côté comme de l'autre, se disent finalement, c'est peut-être pas une si mauvaise affaire ou ils ont des bons arguments. Et c'est le contraire qui s'est passé. Mm. Si vous n'étiez pas vendu à l'idée du troisième lien, que vous avez regardé la campagne de la coalition Avenir Québec, vous ne l'êtes certainement pas plus aujourd'hui. Après, vous êtes fait dire qu'il n'y a pas d'études, que quoi qu'elles disent, on va le faire pareil, que la population va baisser, mais non, c'est pas grave parce qu'ils vont arriver comme... Et ça, c'est une occasion ratée qui va revenir hanter, je crois, le gouvernement caquiste s'il est reconduit la semaine prochaine. Marie-Hélène, on a une question qui vient de Facebook, là, d'une de nos auditrices, Marie Meunier. Comment interprétez-vous le fait que les chefs ont été pas mal seuls sur scène? Nous n'avons pas vu beaucoup de personnalités autour des chefs, notamment au Parti libéral, pour appuyer, par exemple, Dominique Anglade. C'est vrai que les libéraux ont été absents. On le disait aussi au niveau de l'organisation libérale. On a vraiment l'impression que les organisateurs libéraux sont restés à la maison. Ils n'étaient pas là. Il y a eu, bien sûr, Carlos Letao qui était là. Ceux qui quittent, justement, parce qu'il y en a quand même 13 des 27 députés libéraux qui ont quitté à cette élection-ci. Mais c'est vrai que les autres n'y étaient pas. On pourrait dire... En fait, il y a Paul Saint-Pierre Plamondon quand même qui a réussi à ramener et on a pu lire et entendre certains vieux péquistes justement qui ont repris du service. Il a fait campagne avec François Gendron notamment, Louise Beaudoin qui a écrit aussi. Du côté de Québec solidaire, Françoise David, mais très peu. Et vraiment, il n'y a pas eu d'artistes non plus. Beaucoup qui se sont affichés avec les chefs, notamment, c'est souvent le cas pour les partis souverainistes. Oui. On a vu Daniel Boucher en Gaspésie, mais c'est à peu près tout. Alors, effectivement, il y a eu une absence de vedettes, qu'elles soient politiques ou qu'elles soient sur du milieu artistique. Philippe, est-ce que on regarde dans les projections de siège, est-ce que le candidat, sa notoriété a un impact? Est-ce qu'on peut aller chercher une circonscription parce qu'on est un candidat vedette ou la campagne nationale écrase tellement tout que ça a peu d'impact? La réponse à ça, la question est bonne, c'est très rare. Dans le sens qu'il y a eu des sondages là-dessus à répétition. On voit qu'environ 10 à 15 des électeurs disent voter pour un candidat avant le parti et le chef. Mais il reste que 85% vont dire le parti est le chef. Bien sûr, dans certaines circonscriptions, on regarde dans le cas du PQ, Véronique Yvon, Sylvain Gaudreau, Monsieur Lebel, Harry Mouski. Je veux dire, il y avait des candidats importants locaux, mais ce sont des exceptions. Sur 125 circonscriptions, il va peut-être en avoir une dizaine de candidats qui peuvent vraiment faire une différence à eux seuls. Alors, oui, les campagnes locales sont importantes, mais dans une élection comme la nôtre, présentement, c'est pas la différence entre la victoire et la défaite. Oui, Michel? Ce qu'on n'a pas vu cette année et qu'on voyait toujours, c'était le parti qui, très tôt dans la campagne, présentait son équipe économique et désignait pratiquement son ministre des Finances. Oui, c'est vrai. À part la Pro-LCF de Québec, qui bien sûr a tout ça dans, très clairement dans sa brochette de candidat, personne ne s'est soucié de faire ça. Souvenez-vous, M. Charest faisait ça là, littéralement au début de chaque campagne. Voici mon équipe économique, voici qui est mon ministre des Finances. Et aucun des partis d'opposition est allé là. Et je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui se démarque dans un parti d'opposition qui va dire « Ah, c'est évident que lui va être ministre des Finances. » Ça, c'est ça prouve qu'on, malgré tout ce qu'on a dit sur la récession, sur l'inflation et tout ça, ça n'a pas été une campagne économique, ce qui est quand même assez nouveau. Assez rare, oui. Ouais.
mais j'ai l'impression, moi, que si les partis n'ont pas fait ça, c'est parce que l'équipe aux finances et à la santé de M. Legault allait de toute façon faire pâlir les gens qui allaient faire monter sur l'estrade. Alors, à ce moment-là, on dit... C'est souffrir la comparaison. Dans le temps où Paul Martin était ministre des Finances, Jean Chrétien sortait beaucoup, et on ne sait pas trop qui aurait été le ministre des Finances des autres. Joanne Hamel qui pose une question à Chantal et Michel sur la fonderie Horn à Rouyn-Noranda. S'agissant de la fonderie Horn, est-ce que c'est pas un peu facile de la part de François Legault de dire « ce sera à la population de décider » Est-ce que ce n'est pas le devoir et la responsabilité du gouvernement de fixer les normes et de les faire respecter afin de protéger la population et l'environnement du Québec? Michel. Oui. Effectivement, c'est le travail du gouvernement de faire ça. Et M. Legault essaie au football, on dirait de faire un botté de dégagement en disant « on va faire un référendum, et les gens décideront s'ils veulent ces beaux emplois payants ou s'ils veulent de la qualité de l'air ». C'est mettre les gens devant un dilemme qui n'a pas de bon sens. C'est refuser sa propre responsabilité là-dedans. Cela dit, ça fait partie aussi d'un autre argumentaire de la CAQ, c'est-à-dire c'est pas aux gens de Montréal d'aller décider ça. On l'a entendu beaucoup, on l'a entendu ça à fond sur le troisième lien, mais quand M. Legault s'est mis à répéter ça encore hier, je ne suis pas sûr qu'il s'est aidé. C'est surtout que ce n'est pas aux médecins qui travaillent dans cette communauté-là de dire qu'il faudrait faire plus. Ça, c'était particulier dans la déclaration de François Legault quand même. Et oui, il y a une certaine abdication de leadership à dire ça, parce que la première tâche de la personne qui va être premier ministre du Québec la semaine prochaine, dans ce cas-ci, c'est de pousser sur la compagnie pour qu'elle arrive vraiment à une amélioration de sa proposition. Ça, c'est la première étape. C'est pas de faire la campagne de la compagnie en disant ces beaux emplois à 100 000 $ par année, là, vous en aurez plus. C'est comme s'il était devenu l'homme de la fonderie Horn. Et ça, c'est pas bon. Ben, c'est pas le rôle du premier ministre ou du candidat à premier ministre. Philippe J. Fournier, à quoi ressemble la course dans Rouyn-Noranda actuellement? Parce que François Legault était là cette semaine. Marie-Hélène nous disait à l'émission tout à l'heure, c'est quand même osé d'avoir été faire un tour par là dans la dernière semaine de la campagne. Bien des gens présument qu'il va perdre, mais c'est pas si évident que ça, cette course-là. Écoutez, Émilie Lessard-Terrien avait causé la surprise. Il y avait des bons scores dans Québec solidaire. Québec solidaire avait causé la surprise en 2018. On savait qu'elle allait être compétitive, mais elle s'est faufilée en 2018. Elle a eu 32 % du vote. Et dans ce temps-là, 32 % du vote, ça veut dire que, un peu comme Denis Coderre à la mairie après 2013, tu dois essayer d'agrandir ta base. Et ce qu'on voit en région, encore une fois, particulièrement en Abitibi, le vote libéral et le vote péquiste s'est complètement effondré. Et donc, est-ce que ces gens-là vont aller vers Québec solidaire? Peut-être une petite partie, mais la CAQ devrait être considérée comme favorite dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue à ce point-ci. Marie-Hélène Tremblay, j'ai une question qui nous provient de Twitter, qui demande, face au risque de récession possible dont on parle davantage, est-ce qu'il y a un parti qui vous semble mieux armé pour affronter une potentielle crise économique? Est-ce que, dans le fond, il y a un parti qui a la carte financière et économique à son avantage? Je veux savoir cet auditeur. En fait, la question ne s'est pas vraiment posée parce que l'avance est telle du côté de la coalition Avenir Québec qu'on dit que c'est la coalition Avenir Québec qui aura justement à s'occuper de cette question-là après le 3 octobre. Mais on peut prendre la question autrement parce que plusieurs partis ont promis des baisses d'impôts. C'est le cas de la CAQ, c'est le cas aussi du Parti libéral et du Parti conservateur. Et alors, quand on dit baisse d'impôts, on dit baisse également de la croissance. Du côté du Parti conservateur, on prévoit aussi d'importantes compressions qui ont aussi un effet sur la croissance de l'économie. Québec solidaire qui dit qu'il va augmenter les taxes pour les riches. Alors, on a vu un peu aussi que ça pourrait également avoir un effet sur la façon dont l'économie du Québec va se comporter. Bref, autre chose qui risque de faire peut-être mal, justement, aux finances du Québec, c'est cette décision de piger dans le Fonds des générations. Ça, quand la coalition Avenir Québec y est allée, justement, de cet engagement... Ça a secoué le cocotier, là, à ce moment-là. On l'avait pas vu venir, parce que jamais on s'était commis dans cette direction-là du côté du ministre Éric Girard. Et lorsqu'on a annoncé les baisses d'impôts, on a dit qu'on allait réduire les virements au Fonds des générations dans l'ordre de 40 %. Du côté de Québec solidaire, on y met carrément fin, justement, pour remplir
les promesses liées au plan climat de ce parti-là. Alors, bref, il reste que faudra voir comment l'économie va se comporter si effectivement le Québec entre en réception. François Legault disait il y a quelques jours qu'il estimait la possibilité à 50 % maintenant. Ouais. Alors, comment va ensuite se comporter les finances du Québec? Ben ça sera intéressant de surveiller ça. On a reçu beaucoup de questions sur le mode de scrutin. Peut-être qu'on est une émission d'intellectuels, je sais pas. Je me suis pas battu dans les autobus, je vous le jure. C'est pas moi qui a provoqué ça. Commençons par Philippe Gilles, une question qui vous est adressée par Dominique Gravel. Je vous la lis. La CAQ semble casser du dos sur le dos. Inverser mes phrases. La CAQ semble casser du sucre sur le dos de Montréal parce qu'elle n'a pas besoin des Montréalais pour l'élection de 2022. Est-ce que les choses seraient différentes si on avait un scrutin proportionnel? Pourrait-elle se permettre autant de se passer de ses votes? C'est de la politique fiction, donc on fait toujours un peu attention à de telles hypothèses. Je suis un scientifique, donc hypothèse, expérimentation, conclusion, n'est-ce pas? Et c'est évident que sous un autre mode de scrutin, les intentions de vote changeraient. Elles ne changeraient pas instantanément, ça prendrait quelques cycles, mais ça changerait. Et là, encore une fois, on voit le clivage entre Montréal et le reste du Québec qui est complètement séparé, alors que si chaque vote avait le même poids, je veux dire, j'avais fait le test en regardant les chiffres des circonscriptions, si on fusionnait Bonaventure et Gaspé en une seule circonscription, il y a 24 circonscriptions du Grand Montréal qui auraient une population plus grande que cette nouvelle circonscription-là. Alors, évidemment, le poids en vote des régions est beaucoup plus important que Montréal sous un format proportionnel. Évidemment, les électeurs auraient tous le même poids. Mais j'ai fait l'exercice pour cette question-là parce que je l'ai vu venir. Mais okay, et donc, regarde, Alain-Antoine Courchaine qui veut savoir si on était en mode de scrutin proportionnel, à quoi ressemblerait le résultat avec les sondages actuels? Très bonne question. Je répète, politique fiction. Oui, okay, on s'amuse ici. Oui. Mais avec les projections de vote actuelles, un mode de scrutin proportionnel avec un seuil de 5 %, donc si en bas de 5 % un parti n'a aucun siège, la CAQ aurait 53 sièges en moyenne. Donc, ça prend 63 pour une majorité. Les libéraux, 26. Québec solidaire, 17. Conservateurs, 15. Parti québécois, 14. Et donc, on aurait une CAQ minoritaire et tous les partis d'opposition auraient la balance du pouvoir. Alors, est-ce qu'il y aurait plus de collaboration? Peut-être. Mais en termes de sièges, en termes de support, il y aurait plusieurs combinaisons possibles. Et je pense que pour certains électeurs, c'est intéressant. Mais je le répète, c'est la politique fiction. Il y aurait sûrement beaucoup plus de partis si on avait une proportionnelle. Oui, c'est ça. Le paysage serait différent à la ligne de départ même. Oui, cela dit, on se retrouverait avec un gouvernement de la coalition Avenir Québec qui pourrait très facilement s'entendre avec le Parti conservateur pour se faire une majorité. Sur certaines choses et sur d'autres, peut-être, ça serait un autre parti. Ou même former un gouvernement de coalition, donner deux ministères, et puis, ou bien une entente comme celle qu'on voit à Ottawa. Oui, ce que j'essaie de dire, c'est que les électeurs qui sont à gauche de la coalition Avenir Québec, et donc à gauche du Parti conservateur, logent dans trois partis, le Parti libéral du Québec, Québec solidaire et le PQ, dont j'ai hâte de voir comment ils feraient pour s'entendre ensemble pour former un gouvernement. Parce que leurs différences sont beaucoup plus irréconciliables. Et ça, c'est ce que le soi-disant ce terrain-là, gauche jusqu'à centre-droit, donc est occupé par trois partis qui sont pas capables d'aller au même party de Noël. C'est un pensée-si bien parce que les apôtres de la proportionnelle ont tendance à être des gens qui s'identifient davantage à la gauche et au centre-gauche qu'à la droite. Alors, peut-être que ce serait une bonne idée de regarder le fait que depuis le début de la campagne, plus que 50 % des gens qui répondent au sondage sur les intentions de vote votent pour la CAQ ou le Parti conservateur. Michel-Nicolas Gauthier de Saint-Bruno de Montarville veut savoir, étant donné qu'il y a quatre partis d'opposition nez à nez, est-ce que ça pourrait ramener sur le tapis l'idée de réformer le mode de scrutin? Est-ce que dans le fond, François Legault serait obligé de reconsidérer ça puisqu'il va y avoir de la pression après les élections? Il va y avoir de la pression et c'est un fait que le vainqueur du scrutin va être le scrutin uninominal à un tour, qui, dans les faits, va garantir à la CAQ une très bonne majorité si ce n'est pas une super majorité. Oui, il faut y penser. En même temps, l'écueil a toujours été le même. Les trois partis qui ont eu le pouvoir depuis la Révolution tranquille, le PQ, les libéraux puis la CAQ, ont tous promis le scrutin proportionnel et ils ont tous reculé à cause d'une chose
Leur caucus n'en voulait pas parce que les gars disaient oh, on va peut-être perdre nos comtés à cause des proportionnels, puis des députés de liste, puis des affaires de merde. Alors, à un moment donné, si tu ne peux pas le passer dans ton propre caucus, ne pense pas que tu vas faire des grandes réformes. Alors, oui, ça va revenir sur le tapis. Ça intéresse peut-être pas les autobus, mais certainement les intellectuels. Mais est-ce qu'ils vont bouger là-dessus? Moi, je ne le crois plus. Pas grand-chose qui mérite une bataille dans l'autobus. Hein? Je dis ça comme ça, là, mais c'est rare qu'on se bat dans les autobus quand même. Il y a les Canadiens nordiques dans le top. Néanmoins, de notre vivante journaliste, Michel et moi, ma prédiction, on ne verra pas de système proportionnel ni à Ottawa ni à Québec. Écoutez, encore une fois, la CAQ aurait 40 sièges de moins qu'une proportionnelle. Et donc, même si ce serait plus démocratique, est-ce que le caucus vraiment va accepter ça? Et en plus, j'ajouterais rapidement que le mouvement des démocraties nouvelles, le plan qu'ils avaient en 2018, était tout croche. Et donc, vous voulez faire une proportionnelle, arriver à quelque chose de simple et élégant, le système qu'ils avaient choisi était vraiment mal ficelé. Vous dites 90 députés possibles, on verra lundi, mais Michel Dion se demande, est-ce que 90, 92, 93 députés, c'est pas compliqué pour François Legault à gérer en termes de caucus? D'abord, on n'a pas beaucoup de clés de limousine à donner. Deuxièmement, à chaque fois qu'il y a eu une super majorité, ces dernières années, là, c'est M. Bourassa qui en a eu deux, en 73 et à sa première réélection. Dans son deuxième mandat, les deux fois, ils ont perdu. À un moment donné, les attentes sont trop grandes aussi. Mm-hmm. Alors, puis l'autre chose, c'est que ça va être un deuxième mandat pour la CAQ. Aller en chercher un troisième, ça, c'est difficile. Nommez-moi un deuxième mandat qui a été un mandat plus heureux que le premier. Et là, je ne parle pas simplement du Québec. Puis chaque année ajoute au poids de fatigue. Et si on est pour être sur un décor de succession entre des factions plus souverainistes et plus fédéralistes, pas fait cette affaire-là, mais ça promet des belles journées. Marie-Hélène, vous êtes à l'Assemblée nationale, ça sera pas simple à gérer, ce caucus-là? Ça sera difficile. Il y a quelques têtes fortes aussi, hein? Oui, tout à fait, on peut le penser, parce que, oui, effectivement, Chantal le disait, il y a une frange un peu plus souverainiste, là, tout le nom de Simon Jolin-Barrette me vient en tête, celui de Bernard Drainville aussi, et du côté fédéraliste, davantage Geneviève Guilbeault. On sait que... Lionel laisse pas sa place non plus, certains aspects à mieux, à prendre justement la place de François Legault. Alors, ce ne sera pas simple si effectivement, la réelle opposition sera peut-être même dans son caucus, parce qu'il va y avoir des factions qui vont nécessairement se disputer la première place. Et on l'a vu, il n'y a pas eu beaucoup de remaniements ministériels non plus durant le mandat de François Legault. C'est stable, son conseil des ministres. Plusieurs ont eu le même ministère pendant 4 ans, ce qui est quand même assez rare. Ce qui a forcé d'ailleurs la fonction publique à travailler davantage, nous dit-on, là, parce qu'un ministre qui a posé et qui avait des exigences à la première année en avait aussi à la deuxième, à la troisième et à la quatrième. Mmh. Alors, on peut penser qu'il y aura nécessairement beaucoup de déçus si on atteint effectivement le chiffre de 90 et plus députés. C'est pas tout le monde, effectivement, comme disait Michel, qui aura des limousines. Alors, il y en aura certains qui n'auront pas, justement, de portefeuille, qui seront assurément déçus. Chantal, il y a deux chefs qui sont en quête d'un siège à l'Assemblée nationale, Paul Saint-Pierre Plamondon et Éric Duhaime. Est-ce que pour eux, c'est davantage important de gagner leur siège ou d'avoir plus de votes en termes de pourcentage à l'Assemblée nationale? C'est même pas un concours. Gagner un siège, c'est la chose la plus importante pour ces deux chefs-là. Parce que sans avoir la tribune de l'Assemblée nationale, c'est extraordinairement difficile de réussir à maintenir son pourcentage de vote. Je prends le cas d'Éric Duhaime. On s'entend, le mouvement de réaction aux mesures sur la COVID a contribué à sa montée. Et là, il ne pourra pas surfer là-dessus pour garder son parti à un niveau intéressant pendant 4 ans sans avoir une courroie de transmission qui serait, lui, à l'Assemblée nationale pour se donner une image plus large. Dans le cas du Parti québécois, le Parti québécois a souffert beaucoup de ne pas avoir Paul Saint-Pierre Plamondon à l'Assemblée nationale. Mm-hmm. Ils ne peuvent pas se permettre un autre mandat où ils n'ont pas de chef à l'Assemblée nationale. Alors non, s'il fallait qu'ils choisissent entre les deux, on ne leur demandera pas. C'est sûr que le choix à faire, c'est « je veux être là ». Parlez-en à Maxime Bernier. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui a permis à M. Duhaime de prendre son envol? C'est quand le fait qu'il ait eu une députée qui a quitté la Coalition Avenir Québec pour venir avec lui, qui lui donnait accès au Parlement, accès à la tribune de la presse, accès aux conférences de presse. Et à la visibilité qui va avec. Ça, c'est ça qui lui a permis de décoller. Alors, il sait très bien que s'il n'est pas à l'Assemblée,
il va avoir des gros problèmes. Il nous reste environ 5 minutes. Philippe, combien il y a de circonscriptions véritablement surveillées lundi là? On dit qu'il y en a 125. En réalité, il y en a beaucoup qui sont un peu décidés d'avance. Là, vous en surveillez combien à peu près? Et je n'ai pas envie de faire enlever les gens de le goût de voter, mais il y a 80 circonscriptions qui ne changeront pas de couleur, quoi qu'il arrive, à moins d'un miracle. Et on parle de miracle de sondage. Quand les chiffres ont été aussi stables aussi longtemps, on peut en douter. Donc, 80 circonscriptions, que ça ne bougera pas. Dans mon modèle, présentement, j'ai 12 pivots et 13 entelins, donc un 25 circonscriptions qui pourraient aller d'un bord ou de l'autre selon les régions. Et j'ajoute à ça 20 probables. Mon taux de réussite chez les probables, c'est 97. Donc, pas si mal. 3 % de chances que ça pourrait changer. Alors, oui, on regarde, tu sais, il y a des circonscriptions dans le bas du fleuve, la Gaspésie, entre avec le PQ. Il y a des circonscriptions à Montréal. QS pourrait peut-être faire quelques surprises. On regarde l'Estrie, Capitale-Nationale, la Beauce. Donc, il y a quelques pochettes de régions comme ça qui pourraient être intéressantes. Question d'Alexandre Cadot qui, je pense, vit à Québec, puisqu'il veut savoir, dans Taschereau, est-ce que Québec solidaire va être en mesure de garder sa circonscription maintenant que Catherine Dorion a quitté? Je serais extrêmement surpris si QS ne parvient pas à garder Taschereau. Les autres partis n'ont pas mis énormément d'énergie dans cette circonscription-là, et c'est le type de clientèle, la démographie que Québec solidaire cherche de toute façon. Marie-Hélène, le vote par anticipation a été extrêmement populaire. C'est un record. 24,5 % des électeurs ont déjà voté. Et on sait que 100 % n'auront pas voté. On peut présumer que presque une personne sur trois, dans le fond, a déjà voté. Est-ce que ça change la stratégie des partis? Est-ce que, dans le fond, la dernière semaine, un peu moins d'importance qu'elle l'avait avant? Est-ce que vous avez remarqué s'il y avait une différence, étant donné que le vote par anticipation est aussi populaire? Plus ou moins. François Legault a une fin de campagne un peu à l'image de celle de 2018, là, c'est-à-dire qu'il se tient loin des grands centres, fait peu de mêlées de presse aussi, donc pour limiter visiblement le risque d'erreur. Du côté de Dominique Anglade, on va quand même aller à Coudjouac. C'est la première fois qu'un chef se rend là-bas, aux îles de la Madeleine, alors que dans un cas comme dans l'autre, les libéraux ne sont pas dans le coup. Elle a pourtant fort à faire à Montréal et à Laval. Du côté de Québec solidaire, on est plutôt en mode offensif, là. C'est intéressant de voir, justement, dans la région de Montréal, essentiellement, même dans Saint-Henri-Saint-Jacques. Saint-Henri-Saint-Anne, la circonscription de Dominique Anglade. Alors, et du côté du Parti québécois, ben on est dans l'Est aujourd'hui. C'était le cas hier également, parce qu'on veut préserver nos acquis. Alors, il n'y a pas vraiment eu de mouvement, disons, ou de changement parce que c'est en conformité, en fait, avec les sondages, avec ce qu'on voit depuis le début. Est-ce qu'il y a un parti qui tire davantage d'un vote par anticipation aussi fort? Il y en a qui se demandent, est-ce que ça va favoriser un, ça va favoriser l'autre? À quoi ça ressemble, Philippe, le vote par anticipation? C'est définitivement la CAQ. La CAQ, il y a une domination lorsqu'on découpe les sondages par tranche d'âge. Les électeurs plus âgés, de façon disproportionnée par rapport à ce qu'on a vu dans les dernières élections, semblent se ranger vers la CAQ. Et le vote par anticipation, bon, c'est fait, bien sûr, c'est pour tout le monde, mais il y a beaucoup de personnes âgées. Donc c'est ça qui a un avantage CAQ de ce côté-ci. Je suis allé voter par anticipation, puis je suis un des plus jeunes. j'osais pas le dire, mais j'ai eu la même expérience. En passant, je suis allé voir le vote par anticipation en Ontario, c'était en juin. Oui. 9 % Ah oui, mais ça, on est ailleurs, ça n'a pas voté beaucoup en Ontario, effectivement. 43 % Oui, c'est ça. C'est le plus bas dans l'histoire de l'Ontario. Il me reste une minute, donc ça va passer rapidement, mais en quelques secondes chacun, vous surveillez quoi précisément lundi, Michel? À quoi vous allez être attentif? Je me demande si la mauvaise performance des derniers jours de M. Legault va jouer sur la sortie de vote de la CAQ et si ça ne peut pas causer quelques surprises. Ça, c'est Philippe qui nous le dira. Marie-Hélène, vous surveillez quoi lundi? On surveille justement, moi, parce que bon, si on le dit, c'est une bataille pour la deuxième place. Alors, est-ce que le Parti libéral va parvenir à conserver l'opposition officielle? Le Parti libéral n'a jamais fini troisième. Alors, imaginez ce que ça pourrait représenter pour ce parti quand même qui a une longue histoire. Okay. Chantal? Et qui rejoindrait ses homologues ontariens. Oui, qui ont de la difficulté à Ontario. Oui, complètement en arrière dans les banquettes de l'opposition. Moi, je suis très banal. Je vais surveiller les circonscriptions des chefs. Dominique Anglade, évidemment, mais aussi la circonscription de Camille Lorrain et Chauveau. Moi, je vais surveiller, en fait, ça, comme Chantal, si Éric Duhaime est à l'Assemblée nationale,
ou s'il n'y est pas, c'est énormément différent. Si le PQ a un seul siège ou s'il y en a 4 ou 5, c'est énormément différent pour les 4 prochaines années et pour 2026. Ah oui, non, ça, il va se passer des choses là, d'ici 2026. Merci beaucoup à vous quatre. J'espère que ça a été éclairant pour nos éditeurs. Ça a été fort intéressant, certainement, de vous recevoir. Je rappelle Marie-Hélène Tremblay, analyste politique à Radio-Canada, Michel Séogé, chroniqueur politique à La Presse et à Radio-Canada, Chantal Hébert, chroniqueur politique à L'Actualité et au Toronto Star, et Philippe Giffournier, créateur des sites Québec 125, 338 Canada. Merci beaucoup. Bonne fin de campagne. On se retrouve dans les prochains jours. Merci, Alec. Merci beaucoup. Je prends quelques secondes pour remercier mon équipe. Un gros merci à l'équipe technique sur le plateau W ici à la Nouvelle Maison de Radio-Canada. La réalisation aussi pour le Facebook Live. Merci d'avoir été à l'écoute. À la technique, Charles-Antoine Lemay, Martin Vaillancourt, Martin Lavoie. À la recherche cette semaine, dépendamment de la journée, en rotation, Karine Guillemette, Geneviève Gagné, Mehdi Alaoui, Emma Guerrero-Dufour et Johan D. Vincent. Notre journaliste est Annick Béraud. À la réalisation, c'est Dimitri Katadotis. Notre rédactrice en chef est Maryse Gagnon. Je vous dis à lundi. Bonne fin de semaine. À très bientôt.